Comment ça va aujourd'hui à bord de la Micaline? Ça va bien, il fait nuit. Le vent est pas très fort encore, ça va monter dans la journée. Donc c'est plutôt encore des conditions agréables. J'ai pas mal manœuvré aujourd'hui, mais il fait frais, mais il fait bon, il fait 6 degrés. Ouais, c'est vrai que vous avez pas un vent énorme là depuis quelques jours. On dirait que cette barrière des glaces, c'est un peu aussi la barrière d'exclusion des vents forts. Ouais, c'est ça, c'est que la zone d'exclusion en bas et là on bute un peu, on avançait en VMG au portant, en faisant des empannages, pas très rapide. Donc voilà, mais là dans les prochaines heures on devrait avoir du vent soutenu jusque pendant une semaine, donc ça devrait être pas mal. Puis vous êtes un petit groupe là qui est en train de se reformer. Tu as Pip et puis Alan pas très très loin devant, et peut-être que tu regardes aussi dans tes rétros Jérémy Bayou qui arrive. C'est sûr que Charles il arrive vite. On est tous les trois ensemble. Pip elle a été plus rapide que nous là, elle est très vite au portant. Là ça devrait se stabiliser, mais on est tous les trois ensemble, c'est déjà pas mal. Et derrière Charal, je m'attends à ce qu'il revienne fort quoi, forcément. Donc voilà, c'est comme ça. Ça nous met aussi du piment, quoi. Ça permet de se bouger pour qu'il y ait le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Ça va remettre un petit peu de, comment dire, de, ça va être, mettre un peu de motivation supplémentaire pour avancer vite vers la sortie. Est-ce que les premiers vont passer là ce soir? Est-ce que tu regardes ça, toi? Est-ce que tu commences déjà à te projeter vers cette sortie ou c'est trop loin? Je regarde à plusieurs niveaux, j'ai regardé parce que Yannick est dans le dur en ce moment, donc on s'est pas mal écrit ces dernières heures. Je souhaitais bon courage et que c'est bientôt la fin du tunnel. Nous, on a encore pour une semaine, donc une semaine c'est rapide et c'est long à la fois. Donc il y a plusieurs étapes là-dedans, on aura pas mal d'empannage à faire. Donc je pense que le week-end prochain, on sera pas loin du cap. Donc là il y a quand même 3000 milles, donc un peu moins, donc il y a pas mal de manœuvres à faire, de pièges à éviter. On va avoir du vent fort, pas aussi fort qu'à Charlie Yannick, mais quand même assez fort, donc faut être prudent. C'est quand même une étape décisive dans le Vendée Globe de passer Cap Horn. Dis-moi justement, quelles sont tes relations avec Yannick? Ce matin à la vacation, il nous disait que vous aviez échangé, c'est ce que tu viens de me confirmer, et que tu lui avais même proposé une photo du Cap Horn, parce que lui, il verrait rien. Ouais, il me dit, je vais même pas le voir, le Cap Horn. Donc je lui dis, écoute, si il y a tient qu'à ça, c'est pas très grave, les photos, je lui enfilerai. Il passe en tête, qu'il reste en tête, c'est bien plus important, et moi, les photos, je lui ferai s'il veut. Donc non, on a pas mal échangé, parce que là où il est, c'est quand même tendu, c'est chaud, et voilà, faut lui souhaiter plein de courage, et puis j'ai confiance en ses capacités et dans ses performances, donc il va gérer ça d'une main de maître, donc je suis pas inquiet, mais je regarde à chaque classement, je regarde où il en est, si ça avance comme il faut, quoi. Et vous êtes bien potes tous les deux, dans la vie? On était au même club de voile, on a fait plein de choses ensemble. On fait beaucoup de classiques, on se connaît depuis qu'on est adolescent, donc on est super potes. Il y a un an, jour pour jour, on était à la montagne ensemble. On était à la Cusa au Grand Bornand ensemble, donc, on se connaît beaucoup grâce à notre club de voile d'Arcachon, mais aussi parce qu'on est amis dans la vie. Et c'est chouette de se retrouver ensemble sur Vendée Globe. Et pour moi, ça me donne encore plus envie d'aller vite pour être pas trop loin derrière et pour qu'il reste en tête. Et c'est une super motivation et je suis fier de mon pote, c'est clair. Est-ce que tu avais ce même magnifique bonnet bleu au Grand Bornand il y a un an? Ouais, je crois que je l'avais. J'en ai plein des bonnets, avec le fan club de Tessa Orlais. Là, c'est le bonnet casque lourd, là. Il est bien épais. C'est les bonnets pour aller faire du ski de randonnée, celui-là. Il est bien épais, celui-là je vais le garder jusqu'au Cap Horn, je pense.
Bon, bah heureusement, c'est pas ambiance ski de randonnée, mais plutôt descente, là. Ça va être pas mal. Tu vas bien, toi? Ouais, ouais, ça va bien. Écoute, ça va bien. Je rageais un peu de m'être passé par site, parce que voilà. Mais en tout cas, ça va plutôt bien. Ça donne de la combativité à bord, donc c'est chouette. C'est un super parcours. On s'est écrit aussi avec Pete. C'est assez marrant, je trouve. Et voilà, non mais ça va plutôt pas mal, j'ai hâte d'arriver dans le vent soutenu pour gérer le bateau dans du vent soutenu, puisque là dans des vents un peu instables, il y a 15, 20 nœuds, des fois 12 nœuds, donc voilà, mais je vais plutôt bien. Super Cali, merci d'avoir mis ton réveil pour répondre à cette vacation, et puis on te souhaite une bonne nave et des bonnes accélérations pour dans quelques heures. C'est gentil, t'as tout compris, je vais faire dodo maintenant. Ouais, bonne journée. À très bientôt, bye.